Bonjour à tous et bienvenue en français avec Mayeline. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment vous préparer pour vous présenter à l'entrevue d'embauche. Alors, cette vidéo, elle est destinée à toutes les personnes qui sont à la recherche d'un emploi ou qui ont déjà trouvé l'emploi et qui doivent se présenter à une entrevue d'embauche. Si toi, tu es déjà convoqué à participer à un entretien d'embauche, à une entrevue d'embauche, cette vidéo, elle est pour toi. Et je voudrais t'inviter à réaliser trois actions. La première action, c'est chercher un cahier et un stylo parce que probablement, tu vas prendre des notes. Sinon, et la vidéo, elle va être ici dans ma chaîne de YouTube. Tu peux la trouver en tout temps si tu as besoin de revenir pour voir qu'est-ce que tu as manqué dans la vidéo. C'est pas grave. Si tu prends pas des notes maintenant, tu pourras le faire après, plus tard. Et la deuxième action que je vais vous demander de faire, c'est de vous abonner à la chaîne parce que chaque semaine, je prépare des vidéos en français. Et la troisième action, c'est de partager cette vidéo avec les personnes que toi tu connais qui sont à la recherche d'un emploi. Pourquoi? Parce que ce cours, c'est un cours spécialisé de français. C'est un cours qui va vous préparer à l'entrevue d'embauche. Et si bien est sûr qu'il n'est pas 100% exact, parce que c'est sûr que des fois, les personnes qui font les entrevues, ils peuvent nous poser des questions inattendues, mais il y a un 90% des possibilités que ce que je vais te montrer aujourd'hui sera efficace si toi, tu te présentes à une entrevue d'embauche. Alors, je vous invite à regarder ce cours jusqu'à la fin et si jamais vous avez des questions, n'oubliez pas que vous pouvez toujours m'envoyer un petit message ou m'écrire dans les commentaires de la vidéo ici en bas et avec un grand plaisir, je vous donnerai mon adresse courriel et vous pouvez se mettre en contact avec moi. Vous mettre en contact avec moi. Bon, parfait. On va commencer et on va se voir à la fin de la vidéo. Et je vais commencer par vous présenter le modèle pour se préparer à l'entrevue. Et il est très important que vous sachiez qu'il y a une différence entre expérience et toi. Et quand la personne ou les personnes qui font les entrevues, ils vous posent la question ou ils vous demandent, parle-moi de tes expériences. Et si tu n'as pas envoyé ton CV, ton curriculum vitae, tu peux parler vite de tes expériences. Alors, les expériences, c'est tout ce que tu as fait dans ta vie professionnelle, mais il faut vraiment que cette partie, tu sois capable de passer par cette partie, de la faire dans quelques minutes, très, très brièvement. Et après ça, il y a une question qu'on appelle ça la question piège. La question piège. Pourquoi c'est une question piège? C'est la question parle-moi de vous. Parle-moi de vous. Et c'est une question piège parce que généralement, quand la personne nous pose la question ou nous demande de parler de nous, tout de suite, de façon très intuitive, on va parler de nos expériences. Il y a une différence entre parler de tes expériences et parler de vous. Quand ils vont vous demander de parle-moi de vous, il y a des variantes dans cette question. La question ici, la question qu'ils vous posent exactement, c'est pourquoi je veux t'engager. Pourquoi ils t'engageront? Pourquoi? Quelles sont tes caractéristiques qui sont les caractéristiques attendues pour ce poste ou les caractéristiques idéales
pour ce poste. Alors, dans ce cas-là, si la question c'est « parle-moi de vous », vous devez montrer votre valeur dans 2 ou 3 minutes. Et il faut dire les éléments essentiels en peu de temps. Ça veut dire qu'il faut que ça soit vraiment dans un très, très peu de temps, mais que vous mentionnez la valeur essentielle et qui est aussi en rapport avec le poste pour lequel vous présentez ou pour lequel vous postulez. Très important que vous établissez la différence entre « parlez-moi de vous » et « parlez-moi » ou « tu peux parler vite de tes expériences ». Parce que quand on parle des expériences, on parle des expériences de travail. Hein? Mais quand on dit « parle-moi de vous », c'est vraiment quelles sont vos valeurs qui sont en rapport avec le poste pour lequel vous postulez. C'est très important d'établir cette différence, c'est pour ça qu'on l'appelle la question piège. C'est une question piège. Pourquoi? Parce que généralement, les personnes ont tendance à parler de leurs expériences à la place de parler de les valeurs qui sont en rapport avec le poste pour lequel vous postulez. Très, très important de s'arrêter ici et de préparer bien votre entrevue à l'avance. Et quelles sont vos expériences? Alors, les expériences sont dans le CV, dans le curriculum vitae, mais le parle-moi de vous, c'est vos valeurs, vos caractéristiques. Comment vous êtes? Quelles sont les caractéristiques qui vont permettre à... en fait, à la personne qui vous pose les questions, de comprendre, bon, pourquoi je veux t'engager? Quelles sont tes caractéristiques? Quelles sont tes valeurs? C'est clair? On va passer à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est la méthode pour te préparer. Et cette méthode pour te préparer, elle a 4 étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle le squelette. Le squelette, hein, comme un corps humain. Alors, le squelette, vous devez choisir les meilleurs éléments qui vont te représenter. Alors, quel est ton but, tes aspirations? Tout ça, vous devez l'écrire dans un papier. Quel est ton but? Pourquoi tu présentes, pourquoi tu te postules à cet emploi? Et quelles sont tes aspirations? Quelles sont tes aspirations? Alors, quand on parle de ton but, tu dois commencer par un verbe. Et, par exemple, si moi, je postule pour un poste de professeur de français dans une école, et je dirais, bon, mais mon but, c'est d'enseigner aux étudiants de niveau avancé. Alors, enseigner, ça c'est un verbe à l'infinitif. Quand on parle d'un but, hein, un objectif pour lequel on postule pour ce poste, il faut que cet objectif soit un verbe à l'infinitif. Et quelles sont mes aspirations? Quelles sont tes aspirations? Pourquoi tu veux ce poste? Quelles sont tes aspirations à long terme? Et là, je vais vous mettre un exemple. Mon but, c'est de devenir une personne de référence dans le service à la clientèle. Je trouve très excitant de travailler avec vous parce qu'on va pouvoir être partenaire. Je vais apprendre de votre expertise et partager la mienne. Ça, ce sont les aspirations, hein? Mes aspirations. Mais si vous regardez bien ici, le but, ça dit, mon but, c'est de devenir. De devenir, ça c'est un verbe à l'infinitif. De devenir une personne de référence dans le service à la clientèle. Je trouve très excitant de travailler avec vous parce qu'on va pouvoir être partenaire. Et là, on commence à mentionner les aspirations. Je veux apprendre de votre expertise et partager la mienne. Et tu dois faire ressortir les caractéristiques de ta personnalité.
Et maintenant, je veux que vous regardez bien ici cet exemple à éviter. Ça veut dire non, 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 on ne le fait pas, on l'évite. Et c'est résumez-moi les trois forces qui te distinguent. Et le premier élément, c'est que je suis une personne qui aime rentrer en contact avec les autres. Deuxièmement, je suis très relationnelle. Et le troisième, c'est que j'aime aider les autres. Ça, c'est un exemple à éviter. Ce qui est vraiment à privilégier, c'est de parler en premier de ton but et de tes aspirations. Très important, ton but et tes aspirations, ça c'est la première partie de l'entrevue. Ensuite, ça c'est le modèle tête, cœur, jambes. On parlait tout à l'heure de l'esquelette. En fait, ça c'est l'esquelette et ça c'est le modèle tête, cœur, jambes. Alors, le modèle tête. La tête, c'est quoi? C'est ta vision, ton analyse, ton point de vue. Quelle est ta vision? Ta vision concernant le poste pour lequel vous postulez. Quelle est ton analyse et quel est ton point de vue? Ça, c'est la partie dans l'entrevue que la personne qui vous rencontre, il veut vraiment savoir comment vous pensez. Comment vous pensez, quels sont quelle est votre vision concernant ce poste. Ensuite, il y a le côté humain. Le côté humain, c'est pour ça qu'on appelle ici cette partie le cœur, parce que c'est avec le cœur qu'on met à la lumière, qu'on expose nos émotions, nos sentiments. Et ça, c'est le côté humain. Alors, le côté humain, c'est le côté relationnel. Et c'est dans cette partie de votre entrevue, quand il vous pose la question, et parle-moi de vous, hein, la première, c'est ta vision, ton analyse, ton point de vue, ce sont tes valeurs, ta vision. Ensuite, le côté humain, ton côté relationnel, je suis bonne pour vendre, je suis bonne pour gérer des conflits, je suis diplomate, je suis empathique, je me soucie des autres. Ça, c'est vraiment le côté humain. Et finalement, c'est l'élément organisationnel. Alors, les jambes, pourquoi on les représente avec les jambes? Parce que ce sont les jambes qui bougent, c'est l'action. Alors, l'exemple, je suis structurée, je suis capable d'organiser mon temps, je gère très bien mon agenda, je réponds toujours mes courriels en temps réel. Alors, ça, c'est la partie opérationnelle, c'est la partie de l'action. Vous, comment vous réagissez dans des situations vraiment en contexte avec l'emploi. Votre côté organisationnel. Ces trois parties, elles sont vraiment importantes. Il faut que vous preniez note et que vous les résumez sur un papier. Quelles sont vos caractéristiques? Votre vision, l'analyse, le point de vue concernant ce poste que vous postulez. Et ensuite, il y a le côté humain qui va vous mettre en rapport avec le poste. Alors, si c'est un poste, par exemple, comme un assistant ou un vendeur, par exemple, service à la clientèle, c'est sûr que vous devez avoir des bonnes aptitudes pour la vente et apprendre aussi à être diplomate parce que vous allez travailler avec des clients. Être empathique, ça veut dire se mettre à la place de l'autre personne et avoir le souci des autres, ça veut dire s'inquiéter si jamais les clients ont un problème, vous êtes là pour leur aider. Alors, c'est ça, le modèle tête-cœur-jambe. La deuxième étape, c'est l'étape marteau. Alors, ici, dans l'étape marteau, on l'appelle ici l'étape marteau parce que c'est l'étape qui vient avec le renforcement d'un élément spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Une expérience liée à cet emploi. Et il est 100% sûr qu'ils vont vous demander de parler d'une expérience qui est liée à cet emploi. Une expérience ou peut-être une situation réelle où vous devez parler et mettre en pratique vraiment ce que mettre là sur la table
de l'entrevue l'action, hein? L'action, l'exemple, un exemple clair qui mettra en évidence que vous êtes une personne expérimentée et que vous êtes vraiment la personne idéale pour ce poste. Et je vous ai mis ici un exemple. Alors, si tu dis que tu es une personne qui a un grand sens de l'écoute, tu dois citer un exemple qui t'a mené à avoir une reconnaissance au travail ou dans ta vie. Et ce que tu as fait ailleurs, tu vas le faire dans ta nouvelle entreprise. Alors, si, par exemple, vous mentionnez que vous êtes une personne empathique, empathique, ça veut dire se mettre à la place de l'autre. Dans ce cas-là, il est très important que, ici à l'étape marteau, tu dis « je suis empathique » et je me souviens un jour que une madame s'est mise à pleurer devant moi parce que le produit n'a pas répondu à ses besoins. Et tout de suite après, je me suis dit « non, si moi je serais à votre place, madame, et je serai aussi énervée, alors je vais vous aider. » Et dans une situation pareille, vous mettez un exemple clair de la caractéristique que vous mentionnez. Très important de donner un exemple qui va vous mettre en relation avec la caractéristique que vous avez mentionnée avant. Et finalement, c'est l'emballage cadeau. Pourquoi on appelle ça l'emballage cadeau? Parce que vous devez fermer votre entrevue. C'est ton histoire de 10 minutes que vous avez raconté dans 10 minutes ou 5 minutes, tu dois être capable de la résumer dans 6 minutes. Alors, il faut être vraiment concis, sexy, tu dois trouver un moyen de faire quelque chose de visuel, quelque chose qui touche et qui attire l'attention de la personne qui t'écoute. Alors ça va se faire vraiment dans 6 minutes, une phrase qui fasse par exemple que la personne qui t'écoute, il ne va jamais t'oublier parce que tu vas citer un exemple vraiment très, très sympathique où tu vas lui montrer quelque chose que toi, tu as réalisé comme, je sais pas, ou mettre un exemple vraiment touchant, vraiment, ou tout simplement, avec un beau sourire, fermer ton, ta présentation. C'est ça. Maintenant, on arrive à la partie de la pratique et cette partie est extrêmement importante parce que tu dois pratiquer beaucoup. Tu dois demander à quelqu'un de t'écouter. Par exemple, ta prof, ton mari, tes amis, ta famille. Tu peux te filmer aussi. Alors, avec ton téléphone, tu peux te filmer pour pratiquer ton entrevue. Et il faut que cela devienne naturel et authentique. Au moment que vous allez vous présenter devant la personne qui va vous faire l'entrevue, il est très important que cela devienne naturel. Il ne faut pas que vous soyez stressé, sinon la personne va tout de suite se rendre compte que vous n'êtes pas prêt, que vous n'êtes pas préparé pour l'entrevue. Il est très important avant de vous présenter à une entrevue de travail, une entrevue d'embauche, d'être très préparé. Et moi, je vous conseille fortement de vous filmer ou de demander à quelqu'un, une personne qui est autour de vous, de vous écouter et de pratiquer. Et n'oubliez pas que ça doit se faire, cette présentation, dans 5 ou 10 minutes maximum, mais pas plus que ça, sinon ça devient trop long et c'est sûr que l'entrevue, l'entretien d'embauche ne sera pas réussi. Et voilà, je vous souhaite bonne chance et je suis sûre que toi, tu vas y arriver. Et si toi, tu te présentes à ton entrevue d'embauche et que ces étapes ont été utiles pour ton entrevue de travail, ton entrevue d'embauche, n'oubliez pas de me le laisser ici dans les commentaires de la vidéo. Je vous souhaite une excellente continuation dans vos apprentissages du français et on va se voir dans une prochaine vidéo.